Mais qu'est-ce que je vais pouvoir regarder à la télé aujourd'hui? Bon, on va allumer la télévision. Aujourd'hui sur Brookhaven TV, on est au débarquement américain de Brookhaven. Et pour que ce soit beaucoup plus réaliste, je vais demander à quelqu'un de faire un Brookhaven spécial américain. Et franchement, celui qui arrive à faire un Brookhaven américain, il est beaucoup trop fort. Et comme ça, après, on ira sauver la France. Attendez, mais il a demandé à quelqu'un de créer un Brookhaven américain? Oh non, les amis, mais comment je vais faire ça, moi? Comment je vais créer un Brookhaven américain? Bon, on va aller juste ici. J'espère que Midarkito, il va quand même mettre 10 sur 10 pour mon Brookhaven américain. Allez, c'est parti! Ok les amis, donc c'est parti, j'ai déjà commencé à modifier le Brookhaven. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai mis une statue de la liberté avec un drapeau américain. Mais on va changer quand même pas mal de choses parce que vous savez, aux États-Unis, il y a vraiment énormément de choses. Déjà, on va enlever la fontaine qui est ici. Hop là, au revoir la petite fontaine de Brookhaven. Et on va remettre une vraie statue de la liberté au centre. Franchement, celle-là avait vraiment être énorme. Ok, non mais là c'est... Là en fait, je crois que c'est un petit peu trop grand pour Brookhaven. Attendez, je vais la mettre franchement un petit peu plus petite, comme ça elle passe bien sur Brookhaven quand même. Voilà, je pense que comme ça, c'est vraiment parfait. Bon, bah du coup celle-là, on va lui dire au revoir. Allez, hop là, c'est fini pour toi. Bon les amis, qui dit Amérique dit forcément un restaurant très connu. On va enlever du coup ce restaurant les amis. Et vous savez très bien par quoi je vais le remplacer. Allez, hop là. Et on va mettre les amis, le McDonald's. On va le mettre dans le même sens que l'autre. Bon, s'il veut bien se mettre vraiment dans le bon sens. Allez, hop là les amis. Mais franchement, il est plutôt bien ici, non? Vous trouvez pas? Ça fait vraiment bien sur Brookhaven. Bon les amis, vu qu'aujourd'hui, c'est le jour quand même du débarquement, du coup, on va enlever, hop là, ces trucs-là dans l'eau quand même. Bon, même si je vous avoue qu'il n'y a pas d'eau encore, on va juste quand même mettre l'eau, hop là. Donc là, les amis, j'ai de l'eau. Par contre, du coup, bah ouais, on va en mettre beaucoup plus que ça quand même. Bon, ils ont quand même fait une mise à jour sur le Brookhaven Studio. Regardez, ça affiche plein de trucs, plein de textes, de barres, de trucs. Franchement, les amis, je sais pas pourquoi ils ont rajouté tout ça. Ou peut-être que c'est moi, je sais pas ce que j'ai fait. Non, mais attendez, j'ai voulu mettre un énorme bateau américain et regardez la taille du truc. Non, mais c'est beaucoup trop grand. Attendez, je vais le rapetissir un petit peu. Ok, non, mais si je peux le rapetissir, en fait. J'ai l'impression que je peux pas. Bon, bah, les amis, il veut pas du tout être rapetissi. Tant pis pour lui. Non, mais encore mieux, regardez la taille du truc. Non, mais c'est immense. Attendez, je peux pas le rapetissir vraiment. Normalement, d'habitude, on peut les rapetissir. Bon bah les amis, ce sera juste un bateau de secours à la place. Bah, franchement, je crois que je préférais le yacht finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok les amis, maintenant j'ai fait un petit peu de place à cet endroit. Et les amis, je vais construire une petite ville de New York. Déjà les amis, au niveau d'ici, je vais mettre des bâtiments pour habiter tout simplement. Donc on va le mettre ici dans le coin celui-ci. Ensuite, à New York, il y a des bâtiments beaucoup plus haut. Vous allez voir, on va aller vraiment de plus en plus haut les amis. Ok, donc ça, les amis, c'est le bâtiment le plus haut. Non, mais comment je vais le mettre, en fait? Pourquoi j'ai mis ça, en fait, moi? Attendez, je vais essayer quand même de le rapetisser un petit peu. Qu'est-ce que je viens de faire? Non, mais là, il est minuscule, en fait. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, il est tout petit. Non, mais franchement, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, on va quand même l'agrandir un petit peu. Ouais, pas trop non plus. En fait, finalement, si, quand même, c'est un grand bâtiment. On va au moins faire que le socle, il prend vraiment toute la place. Donc, je sais pas jusqu'à où ça va aller. Attendez, je grandis encore le bâtiment. Encore. Non, mais attendez, là, faut que ça s'arrête, non? Je crois que là, je suis pas mal. Non, mais franchement, les amis, c'est le plus grand bâtiment de New York, quand même. Ok, les amis, j'ai trouvé encore des grands bâtiments. Donc, on va les mettre. On va le mettre de l'autre côté, juste ici. On va aussi rajouter des bâtiments en construction. Bon, les amis, aux États-Unis, il y a aussi quelque chose de vraiment incroyable. Bon, on l'a aussi en France, quand même. C'est un KFC, les amis. Bah oui, il y a des KFC aux États-Unis. Bah d'ailleurs, ça vient de là-bas. Franchement, ça en fait des fast-food, non? Vous trouvez pas, quand même? Et il y a même aussi Starbucks, les amis. On va le mettre à côté. On va aussi rajouter plein de drapeaux, mais vraiment de partout. Bon, les amis, aussi, vu que c'est le débarquement, je vais rajouter des avions américains. Regardez, hop là, des bombardiers américains. Non, mais c'est un truc de fou, regardez-moi ça. Oh là là, je vais en rajouter plein, franchement, les amis. C'est le débarquement, donc on va en mettre vraiment beaucoup. Bon, on va quand même les aligner, on va pas les mettre comme ça, quand même, les amis. Oh, regardez, les amis, j'ai fait vraiment une formation d'avion. Non, mais c'est génial. Comme ça, ils pourront fêter le débarquement. Et voilà, les amis, hop là, on fête le débarquement américain. On va aussi rajouter l'uniforme ici, les amis. Voilà, ça, c'est l'uniforme des soldats américains. Les amis, j'ai trouvé quelque chose vraiment qui pourrait rappeler vraiment le débarquement. Regardez, j'ai trouvé ça sur Brookhaven Roblox. Enfin, Brookhaven Studio, pardon. Regardez, ça représente vraiment le débarquement. C'est vraiment super bien fait. Franchement, je pense que là, mon Brookhaven, il est vraiment parfait. On va l'essayer tout de suite. Ok, les amis, donc c'est parti. Je suis dans le Brookhaven américain et regardez déjà le drapeau ici.
Et la statue de la liberté juste au-dessus de moi avec les... Oh là 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 là, là les amis, c'est vraiment un truc de fou ce Brookhaven. J'ai vraiment hâte qu'on le découvre. Par contre, pourquoi il y a des petits trucs rouges par terre? Qu'est-ce que c'est, les amis? Vous pensez que ça a à voir avec les avions, peut-être, qui sont dessus? Non, mais je pense pas, les amis, c'est vraiment trop bizarre. Regardez les drapeaux américains. Franchement, un Brookhaven USA, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, bah, je le ferai pas tous les jours, je vous avoue, franchement... Là, on a fait le français, on a fait l'américain. Dites-moi un petit pays, par exemple, un pays que vous aimez, un pays que vous voulez que je fasse pour un prochain Brookhaven. Franchement, j'aimerais bien savoir un petit peu dans les commentaires quel pays vous allez me dire. Bon, on a déjà fait la France, donc ne dites pas la France, d'accord? Regardez, oh, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bâtiment qui... Bah, j'en ai mis deux en un, du coup, il est... Bah, ou alors, il s'est pas solidifié, je sais pas ce qui s'est passé, les amis. Mais le quartier là-bas, il a pas l'air d'avoir tenu longtemps. C'est n'importe quoi, les amis. Je pense que j'ai bugué le truc, j'ai dû mettre deux bâtiments en un, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Franchement les amis, c'est trop bizarre, mais il y a un petit bug ici. Bon, ça devait être le bâtiment qui devait tenir le plus. Bon, c'est trop bizarre ce qui s'est passé. En tout cas, ça veut dire que je peux quand même rentrer dedans. Ou quoi que même pas en fait. En fait, il est tout bugué. Bah voilà, il est tout bugué, regardez, je peux faire les trucs comme ça, je peux même pas rentrer dedans. Non mais c'est n'importe quoi. Moi franchement, j'ai fait n'importe quoi avec ce Brookhaven. Bon, c'est pas grave parce qu'il reste quand même plein de choses à voir et c'est pas un petit bug comme ça qui va faire qu'on va arrêter la visite de ce Brookhaven parce que franchement, regardez, il y a un bon KFC ici, les amis. Franchement, le poulet, c'est la vie, tout simplement. N'importe quoi, je suis en train de dire vraiment n'importe quoi, les amis. Mais en tout cas, j'adore KFC, voilà. Donc au moins, comme ça, vous savez dans les commentaires. Et ici, les amis, on a un Starbucks Coffee, un vrai Starbucks et pas un Starbrook. Donc là, vraiment, on a le vrai Starbucks, les donuts ici. On peut prendre notre petit café latte. Franchement, c'est beaucoup trop cool. Petit bâtiment new-yorkais, super sympa. D'ailleurs, franchement, j'aime beaucoup les bâtiments comme ça. Je trouve ça vraiment super beau. On va essayer de rentrer dedans, on va essayer de le visiter, les amis. Oh, bah, on peut vraiment plus rentrer dedans. Non, mais c'est vraiment incroyable. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le bâtiment. Non, franchement, c'est trop bien. Par contre, il y a vraiment rien dans le bâtiment. Oh, ah oui, il y a ça dans les fenêtres. Dans les films américains, on voit justement aux fenêtres, ils peuvent monter et tout comme ça. Non, mais c'est vraiment comme dans les films d'action. C'est un truc de fou. Allez, on peut passer par là, les amis. On peut encore monter. Non mais attendez, il est vraiment haut ce bâtiment, il y a combien d'étages? Vous pensez qu'il y en a combien? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même un bâtiment d'habitation, il n'est pas censé y en avoir énormément des étages, et bah je crois que c'était le dernier étage en fait ici. Bon bah super, maintenant j'ai plus qu'à redescendre, allez oh là là, ça va être super long. Franchement, j'ai super hâte d'aller voir le débarquement américain. Les amis, on va y aller tout de suite. C'est là-bas, regardez. Il y a le débarquement américain, en plus c'est aujourd'hui les amis, c'est vraiment un truc de fou, ça fait 80... C'est ça, 80 ans? Je crois que c'est ça, les amis, c'est 80 ans cette année. Non, mais c'est vraiment un truc de fou, regardez. Et là, il y avait les soldats qui débarquaient pour libérer la France. Et comme ça, on était libres. Et franchement, sans eux, bah, franchement, les amis, le monde, il serait pas pareil qu'aujourd'hui. Waouh! Non, mais attendez, là, je vais vraiment le vivre, en fait, le débarquement. Ok, non, mais par contre, je peux pas le conduire. Je pensais que je pouvais le conduire. Je pensais que j'allais pouvoir le vivre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, les amis, on peut rentrer dedans. C'est vraiment un truc de fou. Oh, les soldats, les amis, qui avancent comme ça pour libérer la France. Franchement, les amis, c'est un truc de fou. Là derrière, les amis, j'ai mis le bateau. Rappelez-vous, j'ai mis un bateau de secours. Bah ouais, je pense qu'ils avaient quand même des bateaux de secours au cas où il y avait des soldats blessés. Et franchement, c'est super bien fait. Bon, celui-ci, il est un petit peu plus moderne que ceux de la Deuxième Guerre. Hein, parce que franchement, les amis, là, ils sont beaucoup plus modernes. Et regardez là-haut aussi les avions. Les amis, vous pensez que je peux piloter un avion? Regardez, on va essayer de voler comme ça, hop là. Et on va aller voir du coup les avions, si je peux les piloter. Les amis, c'est parti, on va se mettre sur les avions. Oh, regardez les amis, franchement, c'est les détails, c'est super bien fait. On est sur Brookhaven quand même les amis, on n'est pas dans la réalité. On est sur Brookhaven et c'est super bien fait, franchement. Les amis, la reproduction... Franchement, j'adore le Brookhaven que j'ai créé. Il est waouh! Ok, bon, bah, cette fois, j'ai pas de parachute. Oh, mais attendez, c'est vrai que je peux mettre ma tenue ici. Attendez, est-ce que vous pensez que ça marche si j'appuie dessus? Oh oui! Bah, j'ai ma tenue de soldat américain, franchement. Franchement, c'est super bien fait. J'adore ce Brookhaven. En tout cas, les amis, on va revenir et j'espère que je vais avoir un 10 sur 10. Parce que franchement, ce Brookhaven, il est... Oh, bah oui, le McDonald's! C'est vrai que c'est super américain quand même. Le McDonald's, il n'y a pas plus américain que McDo, les amis. Franchement, d'ailleurs, vous aimez quel menu, vous, au McDo? Allez, hop, là, on va s'installer. Et franchement, bah, ce Brookhaven, il est génial. J'espère que je vais avoir 10 sur 10. J'espère vraiment, vraiment, vraiment. Bon, les amis, est-ce que j'ai réussi? On va regarder la télévision. J'espère vraiment que j'ai réussi. Voilà, qu'est-ce qui va gérer encore la télé? Oh, bah je vois que quelqu'un a créé un Brookhaven américain. Franchement, je lui mettrai quand même bien 10 sur 10. Parce que c'est super bien fait. Et maintenant, direction la France. Et on va aller sauver la France, les amis. Bah ouais, quand même, c'est le débarquement aujourd'hui. Allez, on y va, direction la France. Voilà, c'était vraiment incroyable. J'ai eu 10 sur 10, amis. Et vous mettez combien en commentaire? N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à regarder d'autres vidéos.